Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, je vais enfin pouvoir vous parler des deux cadeaux que j'ai reçus à Noël. Un que je me suis fait et un que j'ai reçu qui vont m'aider au quotidien dans ma cuisine. Et j'avais hâte de vous les présenter. Alors, il y en a un, je ne l'ai pas ouvert encore. Je me suis dit, on va tester ensemble, on verra bien. Il est juste à côté. Donc ça, c'est le cadeau que je me suis fait et je vous le montre tout de suite. Voilà la bête. Alors, je pense que vous avez deviné ce que c'est. Ça vient de chez Lidl. Et c'est une machine à fabriquer du jus végétal. Tout simplement. Donc avec ça, je peux prendre de l'avoine. Je peux prendre un peu tout ce que je veux. Hein, vous voyez, c'est même précisé ici. Et je peux créer mon propre lait pour pas très très cher du coup. Bon, après, il faut quand même rentabiliser la machine. Mais je trouvais ça super cool. Et c'est plutôt pas mal qu'on voit le prix des laits végétaux maintenant. Ça coûte plutôt cher. Matière première, et en plus, il y a énormément d'eau, de sucre et de sel dedans. Donc là, j'aurais juste la matière première à mettre dedans. Et il sera ni sucré, ni salé, ni avec des conservateurs. Je vous dis que ça peut être pas mal. Et je pense qu'on peut aussi faire des smoothies, ce genre de choses. Parce que ça a l'air de ressembler à un mixeur. C'est juste qu'il est plus adapté pour éviter que toutes les pleures elles restent à l'intérieur. À mon avis, il doit y avoir une passoire ou quelque chose comme ça. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai hâte. Et on va tester. J'ai acheté des amandes. Et je crois que j'ai des noix de cajou qui traînent. On va voir hein, de toute façon. Il y a un livre recettes dedans. Donc on va le découvrir ensemble. Il est électronique un petit peu. Donc je ne sais pas s'il se branche ou pas. Ou si c'est sur batterie. Mais en haut, il y a de l'électronique. Donc ça, en ce moment, vous pouvez le trouver encore à Lidl sur l'appli. Il y a une boutique en ligne maintenant, Lidl, on peut acheter les produits. C'est plutôt bien d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait pour acheter le cadeau de Noël de mon papa qui voulait faire de bricolage. Et comme il sait qu'à Lidl c'est pas mal, donc j'avais pris là. Et du coup, j'en ai profité pour me commander et bien, cette petite chose en plus qu'on va ouvrir tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, il y a quand même le système d'utilisation qui a l'air super simple. Vous voyez, vous mettez l'eau. Vous mettez le petit ami et les ingrédients et vous appuyez sur le blend. Donc c'est plutôt simple comme système. Et je vois qu'apparemment on peut créer des petites choses comme ça, d'autres recettes que du lait. Donc ça m'a l'air vraiment intéressant. Là, comme je vous avais dit, c'est les produits qu'on peut mettre dedans. Je pense même qu'on peut en mettre d'autres, hein, mais c'est les plus, on va dire, les plus importants. Et là, vous avez tout simplement la présentation du produit. Donc on va l'ouvrir ensemble. Ah oui, un petit descriptif de ce côté-là aussi. J'ai trop hâte. En plus, j'ai pas enlevé le scotch, donc je vais galérer. Attendez, je vais chercher un ciseau. Hop là. Ah, il y a une prise. Donc c'est un branchement avec une prise. Je savais pas si c'était en USB ou en prise, mais du coup, il faudra trouver un endroit pour le brancher. Il est plutôt bien emballé, je trouve. C'est bien lourd. La coque est en plastique. Et du coup, il y a la possibilité de fabriquer son lait avec les modes. À l'intérieur, donc vous avez les tamis. Donc, je pense que ça doit s'ouvrir. Oups, ça doit s'ouvrir d'une certaine façon. J'avoue, je ne sais pas trop. Alors, comment est-ce que tu bouges cette petite chose? Juste comme ça. Donc là, il y a le tamis. Numéro 1. Et ça, c'est le tamis numéro 2. Ah, c'est un petit bouleverseur. Et du coup, à l'intérieur, on a les deux manuels. Donc le manuel pour les explications, savoir comment il marche. Et le manuel de recette qui a l'air pas mal. Qui va nous permettre de faire du lait. Et des petits gâteaux. Alors, c'est en allemand. Donc, je vous conseille de traduire. Bon, moi, j'ai fait allemand il y a longtemps. Peut-être que j'arriverai à me rappeler. Ah non, c'est bon. Ils ont traduit en français, là. Il y a une partie française. J'avais peur, je me suis dit, mince, s'il n'y a que de l'allemand, on est mal barré. Mais il y a plusieurs langages. Donc, c'est plutôt cool pour avoir les idées recettes. Nous, ce qu'on va tester, c'est de faire du lait. Hein. Je vous le dis franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus, là, tout de suite. Et puis je testerai d'autres recettes avec vous et j'espère que ça vous plaira. Donc je l'ai acheté avec ma carte bleue, comme dirait Laurette. J'aime beaucoup cette youtubeuse. Et
Je l'ai payé 69,99€. Alors, avec les frais de port, parce que sinon c'est 64,99€. Si jamais ça vous intéresse, il est disponible donc sur la boutique en ligne de Lidl. Voilà, alors j'ai tout lavé, on va tout mettre en place et du coup on va réaliser le lait d'amande. Donc sur la notice, il est bien écrit de faire tremper ces amandes le plus longtemps possible, hein, 10-12 heures. Donc vous le mettez la nuit, vous l'avez pour le lendemain, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à penser. Et pour peut-être 50 grammes, on peut faire 1 litre de lait. Après, je pense que si on en met plus, il aura plus de goût. Et c'est ce que je vais tenter, parce que moi j'aime bien quand ça a du goût. Donc je vais tenter de mettre 100 grammes. Et dans la recette qu'il y avait sur le petit papier là, il propose de mettre donc un peu de sel de marin et des dattes, deux dattes. Donc moi j'ai pas de dattes, du coup j'ai des pruneaux et je vais tenter de mettre des pruneaux à l'intérieur. Donc on va faire un test parce qu'eux ils disent 50 grammes pour un litre. Mais moi je vais tenter 100 grammes et je vais mettre donc deux petits pruneaux à l'intérieur dans ce petit tamis là. Ce qui va nous permettre de tout mixer. Et l'eau de base on va la remplir là et ça va donner le goût du coup au lait. Et je pense qu'en fait... du premier abord, quand on le fait, le goût doit pas être très fort. Mais en le laissant après dans le frigo, parce qu'on peut le garder quand même 3-4 jours hein, au frais sans problème, le goût doit être de plus en plus intense. Parce que ça s'infuse toujours au fur et à mesure. Donc je pense que c'est pas mal. Mais on va tester ça du coup tout de suite, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est un petit verre 2 heures. Sur la coque, il y a écrit les doses à respecter, donc le plus, le moins. Donc nous on va mettre au minimum, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, je vais commencer par mes 100 grammes d'amandes. Plus vous les laisserez infuser dans l'eau, les tremper plutôt, plus elles auront du goût après pour votre lait. Hop, on va le mettre dedans. Et du coup, on rajoute aussi les deux petits pruneaux à l'intérieur. Voilà, donc j'ai rempli au minimum la quantité que je voulais. J'ai mis mes 100 grammes et j'ai mis mes pruneaux. Donc maintenant, on va le refermer. Qu'il est bien fermé, on met à l'intérieur. Donc là il s'allume, on met on et il propose deux modes. Alors, je sais pas si vous y verrez bien, donc il propose deux modes, le mode 1 minute en lait végétal ou le mode blend, si on appuie dessus, en 2 minutes. Donc nous on veut faire du lait végétal, donc on va rester sur le mode 1 minute et c'est parti. Donc comme vous avez vu, ça m'a fait du lait en 1 minute chrono. Il n'y a pas plus rapide que ça. Et vous pouvez faire donc des smoothies ou d'autres choses, hein, des cafés latte, des glaces, un peu de tout avec le mode blend. Bon là je voulais tester la chose la plus simple, c'était de faire du lait. On va du coup goûter, mais il a l'air pas mal. Bon, il est un peu mousseux, on a l'impression qu'il est légèrement diphasé, mais ça c'est rien. Vous avez juste à le secouer et après ça revient parfaitement normal. Et vous pouvez le garder 3-4 jours au frigo sans problème. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur la recette. Il est bien épais. Hein. En tout cas, de ce que je vois, il a l'air bien épais. On va se mettre un peu plus de soleil et on va goûter ça. Bon, comme je vous disais, je le trouve bien épais. Je pense que du coup, si j'avais mis que 500, il aurait été plus clair. Là, on voit bien qu'il est compact et ça me plaît bien. Franchement, la texture est pas mal, le goût a l'air pas mal. À voir. Au niveau de l'odeur, ça sent trop bon. De toute façon, les amandes, c'est délicieux au niveau olfactif. J'adore l'odeur, j'ai toujours adoré ça. Je sais pas si vous vous rappeliez des cols, là. Les petites cols en peau qui sentaient l'amande. Quand on était petits, on avait envie de les bouffer tellement c'était... ça sentait bon. Je suis sûre qu'on les a réellement déjà bouffés. Hein. Faut être réaliste quand on est petit, on fait des trucs un peu fous. Bon, allez, je goûte. Ah oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Et c'est bien épais. Bah, c'est du lait. Hein. Mais je veux dire que des fois, il y a des laits dans le commerce où justement, on a l'impression que c'est que de la flotte. Et là, non. Et le pruneau, on le sent un petit peu.
ça a légèrement sucré le lait et je trouve ça super chouette. Eh ben écoutez, ça me plaît bien, je vais pouvoir tenter d'autres recettes. Et ça, par exemple, pour faire une galette ou pour faire des gâteaux, eh ben moi je vais vous faire plein de recettes avec ça. Je suis trop contente d'avoir acheté ce petit bijou là. Regardez. Je vous le conseille si vous aimez faire vos lait vous-même et si vous avez envie d'investir dans quelque chose comme ça, hein, parce que c'est quand même un budget, 70 euros quand même, faut pouvoir les sortir. Mais vraiment, je sais que ça va m'être rentabilisé, je vais l'utiliser et je vais pouvoir faire des gâteaux, je vais pouvoir faire du lait dans mes pâtisseries, je vais pouvoir faire des quiches et faire mon vrai lait, le mien, il aura du goût et je saurai ce qu'il y a dedans, donc c'est moi qui l'ai fait. Donc je vais vous laisser là avec ma recette de lait. On en fera sûrement d'autres et vous le reverrez sûrement dans les prochaines vidéos parce que je suis super satisfaite. Et je vous dis à la prochaine vidéo, moi je vais continuer à boire mon lait. On se retrouve plus tard. Des bisous. Bye bye.